Bonjour à tous, bienvenue sur Webspotting, vous êtes avec Fanny, vos news. Le problème lorsqu'on télécharge de nombreuses séries, c'est qu'il faut pouvoir s'y retrouver. FileBot va vous faciliter la tâche. En vous permettant de gérer votre collection de fichiers vidéo, d'effectuer des recherches dans celle-ci et surtout de télécharger automatiquement les bons sous-titres. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en général, les fichiers téléchargés portent des noms sans cohérence aucune, ce qui peut vite rendre la tâche de renommage pénible si vous avez de nombreuses saisons sur votre disque dur. FileBot deviendra donc indispensable à votre vie. Puisque grâce à lui, tous vos fichiers vidéo seront renommés automatiquement avec les bons noms et les bons numéros d'épisodes. C'est simple et sans bavure. FileBot est gratuit, disponible sur tous les OS et vous pouvez même l'installer sur votre serveur de fichiers ou votre NAS. Je reste dans le domaine des séries avec Series Guide, une petite application gratuite pour Android qui va vous permettre de suivre vos séries préférées. L'intérêt de cette application est d'obtenir un maximum d'informations sur les épisodes que vous suivez et surtout de pouvoir cocher les épisodes déjà vus. Ainsi, vous serez sûr de ne plus en louper un seul et vous pourrez même partager vos avancements dans les saisons sur les médias sociaux. Autre avantage de Series Guide, la possibilité d'être alerté des prochaines diffusions de vos séries favorites sur les chaînes de télé du monde entier. Impeccable pour programmer vos enregistrements de Walking Dead ou planifier vos soirées Dexter en amoureux. Enfin, pour ne rien gâcher, l'ergonomie de Series Guide est très agréable et l'interface est entièrement traduite en français. Foncez sur le Google Play pour vous la procurer. Webmaster et utilisateur du gestionnaire de contenu WordPress, ne vivez plus dans la peur qu'un hacker fasse du mal à votre site. Installez le plugin Hotfix. Ce plugin non officiel a la particularité de permettre aux webmasters de tenir constamment à jour leur WordPress. Chaque bug ou faille de sécurité documentée et corrigée dans le code source de WordPress est aussitôt détecté par le plugin Hotfix qui s'empressera de patcher votre propre installation de WordPress. Ainsi, vous serez assuré que ce dernier est toujours à jour. Par contre, vous ne serez pas forcément à l'abri des dégâts collatéraux en cas de mauvaise correction. À utiliser donc avec parcimonie sur des sites non vitaux qui demandent quand même un excellent niveau de protection. Avez-vous déjà songé à synchroniser vos playlists iTunes avec votre téléphone Android? Oui. Et vous le savez comme moi, cela n'est pas possible. iTunes autorise une synchronisation de votre musique uniquement avec les appareils Apple comme l'iPhone. Mais cette époque est révolue, puisqu'il existe maintenant eSyncer. eSyncer est une application pour Windows et Mac qui permet de synchroniser au choix, via le câble USB ou via le Wi-Fi, votre playlist iTunes avec votre appareil Android. Niveau configuration, rien de sorcier, on est guidé pas à pas du moment que les morceaux sont sans DRM, ils sont copiés sur l'Android. Une raison de plus de passer sous Android. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les experts, mais ces génies en résolution de crime arrivent sans problème à nettoyer une photo satellite pour élire le numéro d'immatriculation d'une voiture lancée à pleine vitesse la nuit un jour de brouillard. Vous pensiez cela impossible? Eh bien, vous aviez raison. Mais vous allez quand même pouvoir vous amuser avec Smart Deblure, un logiciel gratuit pour Windows dans lequel vous pouvez importer une photo floue et qui, à partir de nombreux réglages assez fins, rendra la photo beaucoup moins floue, voire carrément lisible. Très sympa pour impressionner ses amis ou se transformer en bon petit détective. Webspotting, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. À très bientôt.